mon parcours de musicien. À savoir que j'ai commencé la musique à 15 ans à peu près. Je viens d'une toute petite ville dans les Ardennes, il n'y avait pas grand chose à faire à part faire du skate et du punk. Et donc du punk, en fait, j'ai vite un peu bifurqué vers la scène reggae et puis surtout la scène du sound system. Et de cela, avec tout ce que j'ai pu voyager, je suis vite arrivé aux musiques électroniques par le dub. Et puis de fil en aiguille à vraiment la techno ou les styles vraiment bien précis de musique électronique. Et il n'empêche que maintenant, je mélange tout ça du coup. Casbah, ça veut vraiment dire donc citadelle sur la première définition, et citadelle dans le sens carrefour des cultures et des mélanges. Et c'est un peu ça ce que je veux défendre. Je fais pas de la musique, je fais pas un style de musique. Je fais une entité à part ou qui peut mélanger autant tous les styles que toutes les cultures. Je veux vraiment avoir cette liberté de ne pas être juste cadré dans un style musique électronique ou autre. J'ai passé 4 jours à l'Oasis, l'objectif c'était de perdre du poids, j'y suis pas arrivé. Donc non, plus sérieusement, l'objectif c'est de construire un plan de feu, c'est-à-dire quel type de matériel on va utiliser pour la lumière, qui soit transportable dans toutes les salles, vraiment créer un plan qui soit adaptable partout. Et qui plus est, là je suis en train de travailler mon nouveau live pour mon nouvel album, et l'objectif c'était aussi de recalibrer toutes les nouvelles musiques. Au début j'étais pas sur scène les premiers jours, j'étais à la régie avec tout mon matériel et on a repris mes versions studio des musiques pour recalibrer tous les sons, que ça soit propre et qu'on puisse après moi que je puisse venir les rejouer sur scène. Casbah, c'est un gros bordel sur scène. Donc je travaille sur beaucoup de voix, un peu comme s'il y avait un gros groupe sur scène avec une vingtaine de pistes. Il y a deux parties. Il y a la partie organique, c'est-à-dire forcément ma guitare, que je joue pas mal de parts, et ma voix que je boucle. Donc je vais partir sur juste une mini boucle. Une fois que la boucle est faite, elle tourne en boucle, donc je peux la mettre quand je veux, la retirer quand je veux. J'ai plein d'effets en dessous si je veux moduler en live, donc je peux par exemple alors hop. Donc même en chantant ça marche. Donc voilà, donc ça, une fois que ça tourne en boucle, ça me fait ma base. Et ensuite, au fait, il y a deux parties. J'ai des choses qui sont contrôlées par mon ordinateur. Donc, des boucles que j'ai enregistrées en studio, mais très courtes, où je peux contrôler tout sur ma table de mixage. Au fait, par exemple, là, j'ai la grosse caisse, les cloches et tout ça, la caisse claire, des pistes de batterie en plus, des petits claviers, des voix en plus que j'ai enregistrées. Et à la suite de ça, j'ai mes synthétiseurs qui sont là. Que ceci, je peux. En fait, ils sont contrôlés dans mon ordinateur, j'ai pas besoin de les jouer. Les notes sont jouées dans l'ordinateur, sont envoyées dans les machines et ça les joue automatiquement. Et après, je peux. Je peux moduler. Et pareil avec. Ça ou. Ou ça aussi. Voilà. Et ça, c'est les machines qui sont vraiment plutôt techno, quoi. Et en fait, après, je refais mes structures en live comme je veux.